On va aller à la crèche, hein, Bobby. Va bonhomme, on va à la crèche. Tu viens? Tu viens?
Salutations citoyennes, je suis William, donc je me présente aujourd'hui, je suis élu pour le climat. Pourquoi une chaîne vidéo? Pourquoi des vlogs? Trois raisons. D'abord, je ressors d'une expérience civique très intense qui aurait pu à toutes et tous vous arriver. J'ai été tiré au sort à la Convention citoyenne pour le climat. Et si vous êtes sympa, j'en parlerai un de ces quatre. Mais pour la faire courte, on a fait 149 mesures pour aider le pays. Pour aider le pays à réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 et dans un esprit de justice sociale. Résultat, nos ambitions ont été réduites à peau de chagrin et l'image de la concertation citoyenne a été ternie. En fait, l'objectif de 40% était déjà obsolète avant même d'exister, alors que nous devons atteindre moins 55% au niveau européen et 60% si on veut prendre de l'avance. Ensuite, et c'est lié, c'est en préparant ces mesures que tous les 150 dont j'ai fait partie ont pris une claque. Non, pas au sens littéral, une claque sur le climat. On doit diviser par 6 notre empreinte carbone en 30 ans. Passer donc du moyen actuel de 12 tonnes de CO2 par Français et par an à 2 tonnes. Vous imaginez le changement? C'est juste l'angoisse, le vertige. Tellement choquant qu'on a envie de se retrousser les manches et d'y aller. Mais en fait, plus on avance dans la défense de ces mesures, plus on se rend compte que l'inaction climat bloque tout, que les responsables politiques font du en même temps, avec d'un côté les citoyens et de l'autre les intérêts derrière le rideau. J'en ai fait l'expérience à travers les concertations avec le gouvernement. Et bien ça me donne un contre-modèle et une force pour l'engagement. Enfin, fort de tout ça, bien entouré avec des femmes et des hommes qui, comme moi, veulent que ça bouge, qui veulent montrer que le climat vaut la peine d'être porté au-delà des marches dans la rue. Pour toutes celles et ceux qui attendent toujours que nos travaux aboutissent à des résultats concrets, ou encore face à l'inaction climatique, je pense qu'il y a la voie de l'écologie politique. J'ai rejoint une lutte régionale, l'écologie ensemble, dans ma région, les Pays de la Loire, et je suis devenu, comme beaucoup avant moi, cet élu pour le climat. Être élu pour le climat, c'est un fait, un concept, un souhait, une revendication, un état d'esprit, et donc c'est plus qu'une chaîne YouTube. C'est, et je le pense sincèrement, un moyen d'action pour plus de conscience climatique. L'idée sera de partager ce qu'est être un conseiller régional à travers ce que je vois, j'écoute ou je dis. Je le fais parce qu'en regardant en arrière, en apprenant de la défaite, car oui, notre liste n'a pas gagné les élections, je pense que certains mandats comme celui de conseillère ou conseiller régional sont méconnus. Et pourtant, ils peuvent tout changer en fonction de leur action, que la région est au cœur de notre vie de tous les jours. Que par son action, nous pouvons faire beaucoup pour nous reconnecter avec notre territoire proche, pour se nourrir avec le terroir, pour construire avec des matériaux locaux, pour avoir l'envie de s'évader à deux pas de chez soi et pas forcément en low cost. C'est l'une des missions de cette chaîne, rendre compte à ceux qui votent ou ne votent plus, qu'ils ou elles soient politisés ou non, de ce qu'un conseiller régional, même dans l'opposition, peut faire pour le climat et le quotidien. Et le cas échéant, donner l'envie de voter pour le climat ou même à votre tour de devenir un ou une élue pour le climat. Et maintenant, comment va fonctionner la chaîne? Très régulièrement, je vais sortir des billets vidéo d'expression personnelle, en gros des épisodes de vlog vidéo. Je me cale dans un premier temps à les sortir à chaque moment de débat en hémicycle, pour entretenir une sorte de veille qui prépare l'état d'esprit de la session du lendemain. L'épisode d'aujourd'hui sera XXL, mais je pense à l'avenir faire des vidéos plus courtes et les sortir plus régulièrement. Dans cette vidéo, je vais rappeler ce qu'est la fonction de conseiller régional. Je vais analyser ce qui sera dit publiquement sur les vidéos en direct du conseil régional, revenir sur des interventions de notre groupe, témoigner de mes premières actions d'élu. Et enfin, demander à l'une ou l'autre des 11 élus de mon groupe de nous parler de leur engagement climat. Je débute tout juste, donc j'ai de la marge pour m'améliorer et faire évoluer le concept. Je pense aussi publier sur cette chaîne des excursions, des tests, des lectures, ou même donner la parole à d'autres élus militants, citoyens, pour le climat. Donc n'hésitez pas à commenter avec qui vous aimeriez me voir parler de climat. Et pour ne rien perdre de ces billets, je vous invite à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le petit bouton ici ou là. Et également aux pages Facebook, Twitter et Telegram pour ne rien manquer des prochains épisodes. On y va ? Donc un conseiller régional, c'est quoi Jamy ? Un conseiller régional est une assemblée qui gère les affaires des régions. Ces petits bouts de France, au nombre de 13, qui ont chacune une personnalité juridique et une liberté d'administrer certaines politiques publiques à l'échelle locale. Ça permet entre autres de ne pas tout concentrer dans les mains de l'État
et au final d'être plus proche à la réalité des habitants de notre région. Car on n'a pas le même climat en PACA qu'en Haute-France, pas les mêmes textes sociaux, culture, paysage, bref, c'est un outil d'adaptation. Le conseil régional a pour compétence de promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région. Il soutient l'accès au logement et à l'amélioration de l'habitat, le soutien à la politique de la ville et à la rénovation urbaine, et le soutien des politiques d'éducation et de l'aménagement de son territoire. Le champ d'intervention des régions est donc très large. Nous avons la gestion des lycées et celle des transports dits régionaux comme les TER. On doit aussi s'assurer de faire perdurer son identité et la promotion de langues régionales telles que le breton, l'alsacien, le ch'timi. Les conseillers régionaux sont élus pour 6 ans au scrutin à une liste à 2 tours avec représentation proportionnelle qui donne un avantage à la liste qui obtient la majorité absolue au premier tour ou arrive en tête au second. En gros, 25% des sièges en plus pour les gagnants de l'élection, ce qui a permis de dégager des majorités dans les conseils, mais qui au final laissent les groupes minoritaires n'avoir que peu d'influence sur les directions à prendre. Pour l'opposition, il faut donc faire du bruit, convaincre, batailler, dans et hors l'hémicycle, pas facile. Aux dernières élections, il y a eu beaucoup d'abstentions sur les 18-25 ans. Un votant sur 5 est allé voter en Pays de la Loire. C'est un énorme paradoxe quand on voit avec quelle vigueur les marches climat rassemblent. Et c'est quelque chose sur lequel nous devons nous mettre à table. Les citoyennes et les citoyens de tout âge qui veulent que ça change pour le climat ont toute leur place en politique. Ce que beaucoup de militants pour le climat non politisés ne réalisent pas, c'est que certains politiques ne feront rien, jamais rien, pour le climat. Et dans le cas d'une politique de fer comme celle que l'on a aujourd'hui en France, la question fait du surplace ou des petits pas. En Pays de la Loire, il y a 93 élus conseillers régionaux. La liste en tête forme le groupe majoritaire avec 57 sièges, scindé en deux groupes, Aimer et Agir et l'Union Centriste. Pour l'opposition, 36 sièges, 12 pour nous, l'écologie ensemble, 12 pour le printemps des Pays de la Loire, 7 pour l'extrême droite, 5 pour la REM. On avait formé une liste commune avec le printemps au second tour, mais à partir de 5 élus, des groupes peuvent se constituer. On reste en contact par ce qu'on appelle un intergroupe, canal privilégié pour des actions communes. Le téléphone sonne pas tous les jours, mais on fera bien des coups d'éclat ensemble. En tout cas, on avance. Donc je reviens à notre groupe, l'écologie ensemble. Vous les voyez défiler là. On les verra régulièrement sur cette chaîne. Elles et ils ont aussi beaucoup de passion à être élus pour le climat. D'ailleurs, pour conclure cette vidéo, on passera un coup de fil à l'une d'eux, Lucie Etonneau, la coprésidente du groupe. Donc voici une de ses premières prises de parole. Enfin, après les dômes de chaleur qui ont frappé le Canada, les États-Unis, le Maroc, l'Espagne ou le Portugal, ou la terrible famine qui frappe Madagascar, qui, selon le GIEC, la qualifie de première famine liée au réchauffement climatique, comment ne pas évoquer dans cet hémicycle les inondations qui ont meurtri l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et plus récemment la Chine. Des événements climatiques d'une rare intensité, inimaginable, quoique ce n'est pas le bon mot, puisque les rapports scientifiques nous avaient prévenus déjà il y a plus de 30 ans sur ces événements à répétition et qui augmenteraient en intensité. Plus de 30 ans que nous savons et que nous regardons ailleurs. Alors il ne suffit pas de constater, mais de poser un cap. Et tout cela devrait... Je trouve ça juste incompréhensible que vous n'ayez pas évoqué ces événements ce matin, parce que ça devrait agir comme un électrochoc. Ça devrait nous pousser à agir, à poser des caps clairs. Or, ce que nous voyons dans les rapports que vous nous avez soumis et que vos deux collègues viennent de nous exposer, d'ailleurs de manière peu audible, il n'y a aucun changement, aucune prise en compte des enjeux climatiques et écologiques. Lucie est trop forte. Donc l'écologie ensemble, c'est 7 femmes et 5 hommes et des milliers de possibilités. On s'est répartis dans les 7 commissions qui permettent un débat plus resserré sur des thématiques, même si resserré, en fait, regardez un peu l'intitulé de la mienne. Territoire, ruralité, environnement, transition écologique et énergétique, eau, logement, infrastructure numérique, sécurité et santé. D'ailleurs, en plus d'une place dans cette commission, j'ai reçu plusieurs représentations dans des organismes extérieurs. Une au comité syndical de l'Orchestre national des Pays de la Loire, une autre dans une société d'économie mixte pour le développement durable. Plusieurs sièges de représentants régionaux, suppléants dans les lycées. On a reçu un badge magnétique, on a une indemnité d'élu, une enveloppe de groupe pour recruter des collaborateurs et on en a 3. D'ailleurs, je profite pour leur faire un petit big up. D'ailleurs, ce bâtiment du conseil, le voici. Au début, je n'étais pas convaincu que son architecture reflète le dynamisme et la beauté de notre région. Maintenant, je commence à apprécier ses qualités d'espace interne. Et d'ailleurs, je trouve dommage que finalement peu de gens puissent le découvrir
au quotidien. C'est après tout la maison de la région. Je suis un habitant de l'île de Nantes et il se trouve que le conseil régional se trouve au 1 rue de la Loire sur la même île. Je viens donc au conseil à pied. J'ai une empreinte carbone imbattable. Une empreinte carbone que l'on ne peut s'empêcher de comparer avec celle d'une autre élue du conseil régional, la présidente Christelle Morançais. J'ai parcouru 250 000 km au cours de ces trois dernières années. Christelle Morançais est donc toujours sur la route, 250 000 km en trois ans, peut-être à bord de cette voiture floquée de bleu, une BM Morançais ou une Momobile. D'ailleurs, on va faire un petit concours, donnez-lui un nom à cette voiture dans les commentaires. La campagne est derrière nous. Bon d'accord, merci pour ce rappel alors, Madame la Présidente. J'ai tout donné dans ce mandat. Ses convictions ont été partagées dans son discours d'investiture. Au final, je suis désolé pour elle et bien qu'habitant des Pays de la Loire, j'ai appris à la découvrir pendant ce discours. De Christelle Morançais, j'avais vu passer l'affiche de campagne, un programme, qu'elle avait écrit un livre, une voiture. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je l'ai vraiment vu passer, cette voiture. Mais nous avons fait une belle campagne. On croyait en notre programme, il était solide, le collectif était soudé. Nous avions le totem de l'écologie politique. Donc pour le climatomaniaque que je suis, j'ai pas cherché plus loin à lire d'autres programmes. Mais bref, je la découvrais dans son discours d'investiture. On continue de regarder. Je veux également m'adresser à ceux dont c'est aujourd'hui le premier mandat. Votre émotion, votre fierté sont des sentiments très beaux, très purs, très précieux. Soyez fiers de porter les couleurs de la République. Soyez fiers de servir la collectivité que vous aimez. Soyez fiers de défendre vos convictions et vos valeurs. Bon, clairement, c'est mon premier mandat. Nous sommes plusieurs. Dans notre groupe, c'est le premier mandat politique, toute échelle confondue, pour 4 élus sur 12. Et j'avoue que c'est à la fois frustrant et stimulant de débuter. Frustrant par le fait que d'autres, avant nous, se sont essayés à cet exercice et qu'il faut savoir prendre des repères, et stimulant parce que, en fait, on veut aller là où personne n'est jamais allé avant. La politique est abîmée, le doute est partout, l'abstention fait des ravages. Nous en sommes responsables, autant que comptables. C'est vrai pour le coup. Une abstention record, et même au national, les Pays de la Loire a été la région avec le plus fort taux d'abstention. Pourtant, les deux jours de vote, il pleuvait. Aucune raison d'aller à Pornic. Mais je pense que les Ligériennes et les Ligériens sont tellement peu au courant de ce que peut faire la région pour eux, par la façon dont les R ont tenu la région les 6 dernières années, que forcément, ça ne déplace pas les foules. Et bien, j'espère que ça va changer grâce à ce vlog. Revenons à ce qui fait le cœur de la politique. L'empathie. Le partage. L'amour. Certains s'étonnent que je puisse parler d'amour. Mais qu'est-ce que l'amour, sinon ce qui nous pousse à nous dépasser, à nous battre, pour ce qui compte vraiment, ce qui nous guide, qui nous porte face aux épreuves de la vie. Et la politique, c'est la vie. Et la politique, c'est l'amour. Bon ben si c'est si facile que ça, la politique, mais je reste plutôt convaincu que la politique, c'est faire de la place à tout un chacun, partager des causes et les défis ensemble. Aimer et agir, c'est ce qui me guide, ce qui m'anime, ce qui me donne la force de me battre. Bon, Morançais cherche apparemment à parler à tout le monde, mais je dois avouer que les interactions au bout de 3 mois de mandat, depuis ces aimer et agir, et tout ça, mis à part en commission sectorielle, il n'y a eu aucun contact entre les différents élus des groupes. C'est regrettable d'un point de vue humain, mais en même temps, faut-il faire semblant d'être copain-copain? Ou au contraire se fuir? Je n'ai pas encore trouvé la réponse. Mais je sais par exemple que je chercherai toujours à convaincre qu'il faut en faire plus pour le climat. Aimer et agir... On se calme, donc nous verrons. Le vrai courage politique aujourd'hui, ce n'est pas de critiquer, d'injurier, d'attaquer l'adversaire. Le vrai courage politique, c'est de savoir faire preuve de retenue, de mesure et de modération. Dans les rapports humains, certes,
Mais si on se modère pour agir pour le climat, on ne répondra pas à son urgence. Sachant qu'en plus, pour replacer dans son contexte, ce discours a été prononcé l'été des méga-feux, des inondations. Les problèmes colossaux qui se posent à nous, qu'ils soient économiques, sociaux ou climatiques, ne se régleront qu'au prix d'un immense effort collectif, d'une volonté d'y arriver ensemble, du sentiment d'appartenir à une même communauté de destin. Pour ma part, je suis prêt. On commence par quoi pour trouver des solutions aux problèmes colossaux? À mi-chemin de ce discours, j'étais quand même un peu dubitatif. Mais on regardera ces extraits après un an de mandat pour voir à quelle vitesse ça avance. Autre priorité, la sécurité. Le sujet a fait couler beaucoup d'encre. Mais là encore, je préfère le pragmatisme à la polémique. La réalité part d'elle-même. Notre pacte de sécurité est un succès et des maires de toute tendance politique y recourent pour renforcer la sécurité de leurs concitoyens. Et bien déjà, par cette priorité, on n'avancera pas. Ce pacte de sécurité, ce fait de contribuer à payer des caméras de sécurité aux communes qui le demandent, est donc une priorité de Christelle Morançais. Les forêts brûlent et on se paye des caméras. C'était la mesure mise en avant par les Républicains un peu partout en France. Mais seulement, laissez-moi vous dire un petit secret. La sécurité n'est pas une compétence de la région. On peut s'assurer de la sécurité dans les TER et les lycées, ça c'est sûr, mais nous n'avons aucun mandat pour faire la police ailleurs. C'est en Pays de la Loire que s'invente déjà l'avion vert. C'est en Pays de la Loire que la première usine hydrogène vert a vu le jour. Une autre priorité, l'avion vert. En fait, le trafic aérien est au plus bas depuis des années, les gens ont repris goût à s'amuser et à voyager un peu plus près de chez eux. Là où tout écologiste tenterait d'abord de faire que le train, le vélo, les transports en commun soient plus performants, plus accessibles ou bien qu'on améliore la proximité au quotidien, non, c'est l'avion magique qui urge. Le monde avant revient à coups de peinture verte. Nous savons déjà que nous ne partageons pas la même écologie. Cette écologie positive, cette écologie qui croit au progrès, qui génère de la croissance et des emplois, cette écologie est celle que nous portons. Je veux faire des Pays de la Loire la région de référence pour l'industrie verte, pour les mobilités propres et pour le développement durable. Bon ben voilà le programme écolo de Christelle Morançais. Vert, propre, durable, circuler, il n'y a rien à voir. Je me méfie pourtant de ces actions masquées à la peinture verte. Oh blablabla vert, là où j'aurais aimé entendre parler, soins et rénovation thermique des bâtiments, démobilité, transport du quotidien, circuit court, protection du terroir, respect des limites planétaires, renaturation, accompagnement de la transition dans les secteurs. Non, ce sera l'hydrogène vert. Hydrogène vert. Oui, ok, l'hydrogène vert. Je suis une femme qui sait reconnaître les qualités et les mérites de ses opposants. Cool, on surveille à ça. Oui, Mathieu Orphelin, vous avez raison. What? Notre Mathieu national? Nous sommes une grande, une belle région agricole. Nos agriculteurs produisent le meilleur et le meilleur doit profiter à tous. Oui, Guillaume Garot. Quoi? Mathieu, c'est tellement plus que l'agriculture. Allez, magnéto, Serge. Madame la Présidente, vous le savez, vous pourrez compter sur nous pour animer le débat. Nous ne pourrons pas atteindre, avec les mesures sur lesquelles vous avez été élu, les objectifs de baisse des émissions pour notre région. Il faudrait en faire entre 5 et 10 fois plus, mais il y a des solutions sur la table. Ce changement climatique, il est là, il va être terrible. La seule solution, c'est une démultiplication de l'action à tous les niveaux, et notamment de l'action politique. Je voulais saluer, bien sûr, tous les électeurs et les électrices qui ont voté pour nous, avoir une pensée particulière aussi pour les 103 candidates et candidates de notre liste, pour les plus de 3000 signataires de l'appel que nous avions porté dans ces élections. Et vous pourrez compter sur nous pour animer le débat. On reviendra sur Mathieu dans un prochain épisode. Oui, Hervé Juvin. Ah, c'est le mec du RN. J'entends les inquiétudes et parfois je les partage, que vous avez exprimées au sujet des éoliennes, de ce sentiment d'expropriation que peuvent ressentir les habitants de certains territoires ruraux. Je le dis avec force, les Pays de la Loire ne se transformeront pas en un vaste champ d'éoliennes. Bon ben voilà qui est clair. Bon, l'image est un peu grosse, vaste champ d'éoliennes, et puis quand même, au large de Saint-Nazaire, l'État investit dans des éoliennes en haute mer.
On ne peut pas vraiment parler de gêner les agriculteurs dans ce cas-là. Elle est à deux doigts de parler des mini-centrales nucléaires. Hydrogène vert. Bon, c'est terminé pour ce morceau qui était le discours d'investiture. Vous avez encore de la force pour la deuxième session d'installation? La séance est ouverte. Oui, une deuxième session d'installation. La première a eu lieu très rapidement après l'élection, la deuxième fin juillet. Ça permettait d'organiser deux temps, la composition du conseil régional et son règlement intérieur. Ce matin donc, un règlement intérieur. Et avec les membres du groupe, on voit passer celui-ci. Un rapport qui fixe les thématiques du droit à la formation des élus. Et comme nos priorités sont de trouver des solutions à la résolution du défi climatique et d'une région non sexiste, et que l'on aimerait partager les mêmes bases de connaissances avec tous les élus des autres groupes, le groupe m'a donc demandé de rédiger deux amendements allant dans ce sens. Je suis très fier, car il s'agit là de mes tout premiers amendements en tant que politique. Et en fait, ces deux combats, ils me plaisent bien. Je vous informe que j'ai reçu donc sept amendements. Ils ont été transmis donc au groupe politique hier à 12h et ils seront examinés en même temps que les rapports auxquels ils se réfèrent. Bon, du coup, le sixième vice-président, Laurent Dejoie, moins jailleux que son nom le laisse penser, ancien maire de Vertou, nous présente le rapport. Ne dormez pas, on se retrouve juste après. Les rapports ou le rapport sur la formation des élus. Cette délibération fixe les principes de prise en charge de ce droit individuel à la formation en précisant les dépenses prises en compte, déplacement, perte de revenus, coût du stage ou de la formation, bien évidemment. La délibération fixe les thématiques prises en charge pour éviter des formations sans aucun lien avec les activités liées au mandat, mais suffisamment large pour permettre des formations pour l'intégralité des sujets intéressant le Conseil régional de manière large et non territorialisée. Les seules limites sont que les formations soient liées aux fonctions électives et soient dispensées par un organisme agréé. Je vais laisser la parole à William Aucan. Oh ben mince, c'est à moi de parler. Bon, je me lance. Première prise de parole en hémicycle, on y va. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Madame la Présidente, durant votre discours d'investiture, j'ai été très sensible à vos mots « aimer et agir ». Aimer et agir à titre individuel, c'est aller plus loin que la réaction que nous pouvons avoir par rapport à l'actualité brûlante qui s'invite dans nos quotidiens. La conseillère Lucie Étonneau en a très bien parlé, température record, forêt qui brûle, océan qui se vide, inondation, chômage, sexisme. Aimer et agir de manière collective, c'est partager les mêmes bases de connaissances et identifier des buts communs. Dans cette quête d'amour et d'action, le droit à la formation des élus joue un rôle clé. La formation nous place ensemble à la même table, en toute humilité, face à des sujets. Et même si nous sommes élus, sommes-nous 100% experts face à tous les sujets que nous rencontrons. Aussi durant que nous exercions toutes et tous notre mandat dans de bonnes conditions, et afin de mieux aimer et agir pour les Ligériennes, les Ligériens et leurs enfants, nous vous proposons de rajouter deux formations sur deux enjeux majeurs de notre temps, les enjeux d'égalité femmes-hommes et les enjeux climatiques. Merci. Bon, vous l'avez vu, je suis stressé, mais les deux sujets me tiennent très à cœur. On pense à beaucoup de choses quand la lumière de votre micro devient rouge. Si ce que l'on va dire va être compris ici et en hémicycle, le degré de mauvaise foi qu'il y aura dans la réponse. Et quand je dis ces mots, je pense à l'envie de voir une région accueillante par son climat, et dans ses luttes contre les inégalités. Et le regard de la présidente, alors que sa porte est ouverte, eh bien le regard de la présidente est quand même très glacial. Mais bon, mes deux premiers amendements sont soutenus. Et après s'ouvrent les débats. Au cours de cette session, en plus de cet amendement à la sensibilisation aux enjeux d'égalité femmes-hommes, nous avons fait la remarque que sur les 8 premiers vice-présidents, seulement 2 étaient vice-présidentes. Qu'est-ce qu'on n'avait pas dit? On écoute Franck Louvrier, maire de La Baule, deuxième VP. Quant à la présence des femmes à la tête des commissions, je vous rappelle que vous aviez une tête de liste homme, nous avions une tête de liste femme et que nous avons aujourd'hui une présidente de région femme. Et c'est tout à notre honneur d'avoir cette influence féminine sur l'ensemble des commissions. Donc je pense que la question est un petit peu annexe par rapport à l'ensemble de la représentation féminine. Une question annexe, vraiment. On écoute maintenant Isabelle Leroy, adjointe au maire de Cholet et quatrième VP. Sur le principe de l'égalité homme-femme. Alors, je ne pense pas que ce soit en posant
des quotas au sein de l'exécutif régional que nous réglerons et que nous promouvrons efficacement le principe d'égalité homme-femme. Et d'ailleurs, en tout cas, si on devait avoir un exemple, le fait que de désigner et de mettre en avant une femme comme présidente de notre région, ce qui n'est pas le cas dans la France métropolitaine, puisque à ce jour, je crois qu'il y a seulement 4 femmes présidentes de région contre 8 hommes présidents de région. Je pense qu'en ce sens, nous sommes assez exemplaires. Et d'ailleurs, nous trouverons une traduction extrêmement forte et symbolique en désignant prochainement une conseillère déléguée à la question égalité homme-femme en la personne de Pauline Veil. Symbolique, mais comment on en est arrivé là? Quand même, dans ces deux prises de parole, beaucoup d'excuses pour se justifier, alors qu'une simple et pure parité, comme ça se fait partout, serait intouchable. Non, avoir une présidente de région en Morancy vaudrait le fait d'avoir 6 hommes et 2 femmes à sa suite directe. C'est quand même terrible quand on y pense. Bon, l'auteur du rapport nous répond. Sur les amendements, plus précisément, qui ont été proposés sur les différents rapports, d'abord ceux de la formation. Le groupe écologiste souhaite que l'on intègre dans les thématiques une série de sujets comme l'égalité homme-femme, comme les questions de climat. Mais vous aurez observé que les thématiques choisies sur les grandes politiques publiques, sur les grands sujets de société... On note déjà l'intonation de la voix, on sait où il va nous emmener. Permettent largement de suivre toutes les formations possibles et imaginables sur ces questions d'égalité homme-femme ou sur les questions de biodiversité ou de climat. Et qu'il serait même réducteur de citer trop précisément d'ailleurs les thèmes de formation, on nous le reprocherait, ils sont tellement larges que chaque conseiller régional, dans le droit à la formation qui lui est allouée, pourra trouver la satisfaction et la liberté de choisir ses formations. Sans que la majorité dise « voilà les thématiques que vous allez choisir ». Non, non. Ceux qui voudront faire des formations finance les feront en finance. Ceux qui veulent suivre des formations sur les questions climatiques le feront également. En gros, pour la majorité, les deux thèmes, deux enjeux forts de notre temps, 136 ans de retard dans le monde sur l'égalité femmes-hommes et les causes du réchauffement climatique et ses moyens d'action ne sont pas assez larges. Et que les formations pourront se faire pour ceux qui le souhaitent. Donc en gros, vous êtes gentils, l'écologie ensemble, mais c'est pas la priorité, on dirait. On écoute Christelle Morancet sur les enjeux d'égalité femmes-hommes. Moi, ça m'amuse un peu quand même, c'est ce combat d'égalité hommes-femmes. Moi, je suis la première à mener ce combat. Mais moi, j'ai la chance d'avoir des élus qui ont fait confiance à une femme. Alors, moi, j'ai pas de leçons à recevoir, parce que les mêmes qui me donnent des leçons, il n'y a pas une femme qui a été tête de liste aux dernières élections. Pas quand même. De nouvelles excuses qui entérinent le fait que rien ne va bouger sur la question. Sa majorité hésite même à applaudir tellement c'est gros. Et puis, permettez-moi aussi de vous dire qu'en tant que présidente de région, j'ai souhaité, pour le groupe Aimer et Agir pour les Pays de la Loire, que ce soit présidé par une femme. Je suis désolée, mais les groupes politiques aujourd'hui, dans notre hémicycle, à part où là, mais il y a un binôme, et moi, c'est une femme qui préside ce groupe. Donc, sur l'égalité homme-femme, c'est un combat, là, encore une fois. Regardez par là, mais dans le fait, pas de parité pour la majorité au conseil régional. Et on trouve même un lapsus sur la fin qui ne trompe pas. On va avoir une élue déléguée à l'égalité homme-femme. J'ai pas de leçon à recevoir. Enfin, là-dessus, excusez-moi, mais c'est un petit peu gros. Sur le climat maintenant. Sur la transition écologique ou sur le climat. Comme vous le savez, Madame Etonneau, c'est un engagement fort de ma part. J'ai le souvenir dans ce même hémicycle, en octobre 2017, d'en avoir fait une priorité. Il y a ceux qui en parlent et il y a ceux qui agissent. Et moi, je me trouve plutôt dans ceux qui agissent. Je rappelle juste quelques éléments. 350 millions d'euros sur le précédent mandat. Des actions sur l'eau, où voilà, il y a eu d'autres majorités avant la nôtre, où rien n'avait été fait. 11% de bonne qualité d'eau dans notre région, moi, ça m'a interpellée. Et l'écologie que je porte, je l'ai dit pendant la campagne, et je le redirai autant de fois qu'il le faut, c'est celle qui rassemble. Aujourd'hui, si on veut mener ce combat, parce que pour moi, c'est un combat qui doit tous nous rassembler, c'est une responsabilité collective.
Je l'ai dit et je le redis ici, cette responsabilité collective, on la doit pour nos enfants et nos petits-enfants. Donc c'est un combat que je mène et que je continuerai à mener au sein de notre région. Bon, au final, sur le climat, la présidente noie le poisson par de l'eau. Et avec une confusion écologie-climat. Alors que pour parler climat, il faut évoquer les rejets de carbone, par exemple. Je connais maintenant quelqu'un qui aurait besoin d'une formation sur le climat. Mais bref, on découvre le destin réservé à ces deux amendements. Nous allons voter l'amendement du groupe L'écologie ensemble portant sur l'intégration de l'égalité femmes-hommes dans les grandes orientations du droit à la formation des élus. Qui est favorable ? Qui s'abstient ? Cet amendement est rejeté. L'amendement du groupe L'écologie ensemble sur l'intégration du climat et de la biodiversité dans les grandes orientations du droit à la formation des élus. Qui est favorable ? Qui s'abstient ? Cet amendement est rejeté. Des mains dans les rangs à gauche et à l'écologie se lèvent. Dans la majorité, pas un geste et tout le monde regarde ailleurs. Allez, on remballe. C'est la fin. Aucun amendement, aucun vœu que nous aurons déposé ne passera, mais vous savez maintenant pourquoi. Vous avez eu la démonstration de l'inaction politique dans sa mauvaise foi la plus manifeste. Allez, pour se changer les idées, voici une séquence que je suis très heureux de vous présenter et qui sera un immanquable rendez-vous de cette chaîne. La parole à d'autres élus qui sont aussi élus pour le climat. Et on commence avec Lucie Etonneau, coprésidente de notre groupe L'écologie ensemble. Elle nous vient de Vendée. On l'appelle pour lui poser 2-3 questions sur ses engagements climat depuis la terrasse. Oui. Salut Lucie. Salut William. Comment vas-tu ? Très bien, cette belle journée. Ouais, non, ça, oui, c'est une belle journée en même temps, mais vachement au travail avec la préparation de la session, non ? Eh bien, exactement. Et donc, après une journée en congrès politique, je vais passer l'après-midi sur les rapports et préparer les interventions. Il y avait une question que je me posais là. Donc, tu sais, je fais une petite chaîne YouTube pour parler d'engagement politique, de climat et tout. Et je voulais savoir d'où tu avais puisé un petit peu la force de ton engagement dans l'écologie politique. Moi, mon entrée en politique, donc j'ai plusieurs entrées, comme plein de monde, de par déjà des parents qui sont engagés dans la vie de la cité jeune en étant commerçants, qui sont aussi impliqués dans la vie culturelle, politique, ils franchiront pas le pas, mais en tout cas, ils côtoient aussi beaucoup le monde politique en étant commerçants. Donc ça, c'est ma première entrée. Après, moi, je suis très vite sensibilisée à la question des droits de l'homme, notamment sur la question de la peine de mort, donc voilà, j'ai la chance de vivre dans un pays qui a aboli la peine de mort, mais voir qu'elle est encore en œuvre dans d'autres pays, et notamment pour les enfants mineurs, et ça sera mon premier engagement avec Amnesty International, et la rencontre aussi avec Robert Bonnetter lors d'une conférence, qui nous dit que vraiment l'implication politique fera partie de ma vie, parce qu'il y a le pilier juridique qui est très fort avec ce combat-là, mais on voit que la transformation, elle s'est aussi par le levier politique. Et donc très jeune, je peux avoir 15 ans, je me dis qu'un jour, je m'engagerai politiquement pour défendre mes idées, mes convictions. Donc c'est un peu ça mon entrée en politique, et je vais m'intéresser à la politique, à la révolution bolivarienne en Amérique du Sud notamment. Et je vais suivre la politique, je ne m'engagerai pas dans un parti tout de suite, mais en tout cas je suis intéressée par le fait politique dès mes années, fin de mes collèges et mes années lycée. C'est une formidable rencontre, ça, Robert Bonnetter. Et Amnesty International, tu y es encore, peut-être, j'imagine, ou tu y es resté combien de temps ? J'y suis toujours, donc je renouvelle mon adhésion maintenant depuis l'âge de mes 18 ans. J'étais impliquée mes premières années en étant animatrice d'une antenne jeune. Donc ça a commencé à Nantes, puis pendant mes études à Rennes, et puis pendant mon année d'Erasmus aussi en Espagne. Aujourd'hui, je suis une adhérente plus passive, mais je continue toujours à suivre l'actualité d'Amnesty International. Ok, super. Bah, les rencontres, enfin le fait d'avoir des faits un petit peu marquants, ou ça aide à s'engager dans une cause. Ce que je voulais te poser aussi comme question, en fait, quel fait marquant, nous à la Convention citoyenne, on parlait de claques.
tu as sur le climat et qui t'a donné envie d'agir pour cette cause? Alors, je ne me souviens pas d'une grosse claque qui m'est mise à terre, plutôt de plein de micro-claques du fait voilà, de participer à des conférences ou de regarder des reportages. Peut-être une assez forte, c'est lors d'un voyage en Bolivie. Suite à mes études d'Erasmus, je pars en coopération pendant 2 mois en Bolivie à Cochabamba. Cochabamba qui a été le théâtre en fait d'une forte mobilisation des Quichua, des Indiens, pour garder la ressource en eau. Et je dirais que c'est un des moments forts où là je prends conscience, enfin j'en avais déjà un peu conscience, mais c'est vraiment très fort en moi de prendre conscience de l'importance des ressources, des ressources vitales comme l'eau, de tout ce que ça peut produire après comme incidence dans la vie de tous les jours. Accès aux soins, pour l'accès à l'alimentation, et ce combat-là des Indiens boliviens pour préserver cette ressource et qu'elle ne soit pas privatisée, c'est aussi un combat très fort dans la lutte à la fois contre aussi le dérèglement climatique parce que c'est une ressource rare et précieuse, notamment pour le maintien du développement de l'agriculture paysanne en Bolivie. Donc ça, ouais, je pense que ça a été une de mes grosses claques, peut-être finalement, en lien avec le climat, en lien avec les ressources naturelles. Maintenant, en regardant dans le futur, quel geste fort tu attends pour résoudre un petit peu le réchauffement climatique? En fait, quel événement sur le climat souhaites-tu voir se réaliser dans les 10 ou 30 ans à venir? Là, dans les 10 ans, forcément, ça vient un peu de mon parcours, parce que moi, je me suis beaucoup investie sur les questions de mobilité en politique, dans les politiques écologiques apportées. Donc là, dans les 10 ans, et j'étais encore il y a 15 jours aux rencontres nationales des transports publics, pour moi, dans les 10 ans, le gouvernement français, avec les collectivités et notamment les régions, peut mener cette grande révolution pour les transports collectifs, pour sortir de la dépendance de la voiture thermique. C'est un peu l'horizon qu'on s'était fixé, enfin qui avait été fixé par le gouvernement, par l'Union européenne, l'horizon 2035-2040. Et pour moi, cette ambition-là, on peut l'atteindre s'il y a un grand plan d'investissement sur les infrastructures de transport public. Et là, ce qu'on a vu, c'est que les collectivités ont des projets, y compris dans les territoires dits peu denses, plutôt en milieu rural ou périurbain, où il y a des solutions alternatives à la voiture qui peuvent prendre toute leur place dans notre réseau et être accompagnées par un fort investissement des pouvoirs publics. Et puis, il y a volé, bien sûr, tout accompagnement pour changer un peu nos pratiques quotidiennes de l'usage des transports en commun et vraiment sortir de cette dépendance aujourd'hui qu'on a à la voiture, au déplacement solo dans les voitures. Donc ça, c'est vraiment à l'horizon 2010, enfin 10 ans, pardon, c'est vraiment quelque chose qu'on peut atteindre dans cet horizon dans les 10 prochaines années. Un horizon plus lointain, et je sais que c'est un sujet aussi pour lequel tu vas t'investir et tu t'investis beaucoup, à l'horizon 2050, c'est la rénovation thermique de nos habitats. Oui, c'est un grand chantier qu'il faut commencer maintenant. Et puis l'avantage, c'est qu'on sait faire, on sait isoler. Il n'y a plus qu'à là-dessus. Et puis pour les mesures transport, ben là, je reconnais ton engagement au sein de la commission transport qui transcende un peu tout. Ben, c'est une mesure effectivement qu'on a besoin de voir, la façon dont on peut se déplacer, de voir comment avec les transports on peut arriver à résoudre cette crise climat. Ben, Lucie, je te remercie pour ces 3 petits points. Et puis moi, je te dis à demain pour la réunion. Ouais, à demain et belle fin de journée à toi. C'est une grande semaine qui nous attend, une première semaine de session où on a des messages forts à faire passer dans l'hémicycle et surtout à l'extérieur. Oui, c'est clair. À très vite, salut. À bientôt, ciao. Bisous. Le coup de fil est passé, merci encore Lucie. Et voici qui clôt le premier épisode de cette chaîne. N'oubliez pas l'abonnement et des liens sont à dispo dans la description. Un mot pour finir. Certains d'entre vous le savent, j'ai derrière moi un travail sérieux, désirable, fait avec 150 citoyens, les 149 mesures de la Convention citoyenne pour le climat. J'ai été un citoyen tiré au sort, comme vous auriez pu l'être,
membre et témoin d'une force citoyenne dans toute sa diversité qui a été appelée à relever le plus gros défi de notre temps. Mais je suis plus qu'un 150. Je suis représentatif de toute la partie de la population qui a cru en notre travail et je suis sûr que beaucoup d'entre vous êtes convaincus que ces travaux sont porteurs d'un avenir meilleur, plus sain et plus responsable. Dans mon engagement de l'écologie politique, je ne m'arrêterai pas avant d'assister à une baisse significative en Pays de la Loire ou au National de plus de la moitié de nos émissions de GES en 2030. C'est le mandat que le président de la République nous avait confié en instaurant la Convention citoyenne, mais dont on peut regretter qu'à ce jour, il n'a rien su en faire. Il faut donc tout faire pour être une force engagée sur les questions climatiques. Mais pour ça, mettons-nous à la table des citoyens, politiques, experts, entreprises, militants qui se retrouvent, partagent et agissent ensemble. Enfin, je vous confie sur cette chaîne que mon engagement pour le climat, cette flamme, n'est pas prête de s'éteindre et que j'espère vous la transmettre dans mes actions car je suis élu pour le climat. Alors, je n'ai pas d'autres demandes de prise de parole. Voilà, ça vient. Je vais laisser la parole à François de Rugy.